Non. Non. Putain. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une petite série sur Ghost Recon Breakpoint. Alors, on va faire ce qu'on nous demande, on va se soigner. Alors, j'ai passé la personnalisation du personnage, je suis parti en mode normal et en... Il y a deux modes à mettre, la difficulté, donc mode normal et tactique, c'est marqué confirmé avec le normal, quoi. Donc je suis resté dans les trucs normaux du démarrage, on va dire. Donc voilà. Bon, ben on a des problèmes quand même. Il n'y a rien à récupérer sur mes gars là. Non. Bon, et ben il faut qu'on aille à 400 mètres. Enfin 412. Alors. Hop, on va se mettre à accroupi. Là-bas, il y a quelque chose de rouge. Je sais pas ce que c'est. On va faire ce qu'on nous demande, on va avancer. Donc, ouais, je voulais faire une petite série sur Breakpoint parce que j'avais pas trop envie de reprendre pour l'instant tout de suite Division 2. Moi j'aime bien changer de jeu de temps en temps et puis quand j'ai pas envie de jouer, je vous fais pas de série parce que de toute façon, si je me force à vous faire quelque chose, à mon avis, ça sera raté. Et ça pète de tous les côtés. Donc. Quelqu'un au moins? Mais maintenant en tout cas. C'est chaud quand même. Hop, on va se mettre dans les fourrés. On va se mettre derrière lui. Hop, alors attendez voir, on va essayer de faire ça bien. Voilà, ça c'est fait. Tu me donnes rien, sympa. Tu me donnes quoi? Des crédits scale et des balles. Ok. Donc là-dedans il doit y avoir des cartouches. Donc j'ai laissé tous les indicateurs. Comme ça on voit les zones, tout ça. Et, le jeu doit être fait pour les gens qui veulent jouer en mode vraiment. Réel en fait, parce que il y a la possibilité d'avoir aucun indicateur, rien du tout quoi. Donc c'est pas mal. Moi j'ai essayé le mode, alors au début je me suis dit, je vais mettre en mode facile pour la vidéo, ça sera bien. Ouais, mais en mode facile, comment dire, c'est facile, c'est à dire que on rentre dans une base, on prend le pistolet que j'ai à la main et puis on regarde les gars qui nous tirent dessus, on perd pas trop de vie, elle remonte super vite, déjà que là elle remonte pas mal vite. Et on peut tout déglinguer sans se poser de questions. Alors ça, voyez, va falloir toutes les ouvrir. Parce que ça nous donne... Voilà, ça nous donne des petites choses comme ça. Donc on va s'en équiper. Alors, dans le mode normal, voilà, donc vous voyez mon personnage, comme d'habitude, une femme, rousse aux yeux verts. C'est l'apparence de Fury.
Comme vous avez pu voir dans le. Il y a quatre personnages nomades. Donc ça normalement, ben là je joue nomade, mais bon, j'ai pris l'apparence de Fury. Il y a Vassili, je crois. Donc Fury et Fixie. Bon, on va déjà s'équiper de ça. Il y a un silencieux. On va tout de suite voir si on peut y faire quelque chose. Évidemment, je n'ai pas de munitions. J'ai pas de trucs. Je peux le peindre? J'ai envie de le peindre. Voilà. J'aime bien moi les peindre comme ça. Par contre, non. Pas ça, je ressors du mode. Il y a un silencieux au bout. Ok. Donc on est parti. On a maintenant ceci en arme 1. Donc c'est mieux que notre pistolet quand même, je pense. Mes soldats. Ouais. Tes soldats, ils sont un petit peu capoutes. Alors, le truc, c'est que. Hop, quand on met le viseur, on a des options. Donc moi j'aime pas ceci, je vais mettre plutôt le B. Quand on appuie sur X, il tire balle par balle ou en rafale celui-ci. Et il y en a qui tirent soit en rafale, soit en coup de 3 balles. Par contre, en coup de 3 balles, il faut bien se dire qu'il ne faut pas rater son coup. Donc en fait, il faut tirer en pleine tête. Dans ce jeu-là, il faut tirer en pleine tête. Alors les graphismes sont à fond. J'ai juste retiré le flou de mouvement parce que j'aime pas ça du tout. Hein, comme dans Arc ou tout ça, je le retire toujours. Et j'ai retiré le blur. Ça c'est pareil, les éblouissements. C'est bien qu'on rentre dans les pièces, qu'ils fassent une différence et tout. Ok, je veux bien. Mais c'est vraiment trop fort. Donc j'ai retiré ça. À savoir que là, avec les en ultra et tout ça, c'est le tournoi sur une RTX 270 à 8 Go. Et ça m'arrive et quelquefois, alors depuis que j'ai retiré le blur et le flou de mouvement, au début je joue toujours avec le tout pour voir comment ça fait, bah, je n'ai plus de freeze. Alors je me dis, est-ce que la 270 ne suffit pas? Alors comme vous pouvez le constater, il y a des zones rouges, ça veut dire qu'il y a un ennemi dans le coin, mais on ne sait pas où. Donc on va aller voir ça. Alors attendez voir. On a aussi cette roue-là, où on peut mettre des choses dans la roue. Alors, en mode normal, nous avons les bandages infinis. C'est-à-dire qu'on peut faire un bandage autant qu'on veut, mais alors il met très longtemps à le mettre. On va passer sur l'inventaire. Donc voilà. Ça, c'est l'inventaire que j'ai moi. Ça, c'est. Alors, on va passer le truc. Voilà. Ok. Ok, je me rappelais pas. Je pensais pas qu'il le referait. Nous avons une petite carte aussi. Donc nous devons aller là, mais nous devons traverser ça, évidemment. Donc bah, le but du jeu, ça va être d'aller récupérer ça pour trouver des armes. Et puis de déglinguer les ennemis, quoi. Ou se faire déglinguer, ça, après, l'histoire va nous le dire. Ah, il y a des cadavres un peu partout, il n'y a pas de survivants, ok. On a fini! Butez-moi ça! Non, ça va, il a pas donné l'alerte. Ouais, c'est vrai que là, le celui-ci. En fait, vous avez vu, j'ai tiré en pleine tête et oui. Mais c'est vrai que dans ma partie que je suis en train de faire avant, enfin, que j'ai fait avant, pour tester le jeu comme d'habitude, comment dire? J'ai les one shot quoi. Ah oui, j'ai pas l'arme que j'ai là. Bon, c'est pas grave. C'était sympa quand même. Ah, il y a des munitions. Bon, de toute façon, il y a des munitions. Allez voir. Hop, on peut se lever là et puis personne de toute façon. À l'intérieur, il y a des munitions. On va aller chercher des munitions quand même. Vu qu'il faut leur en mettre quand même pas mal dans la tête. Voilà. Ici, là-bas, des petites seringues. Et des grenades. Hop, voilà. Ok. J'ai raté des munitions par là. Hop. Ouais, d'accord, il y a des munitions dans le bunker là. On va faire le tour quand même. Alors, graphiquement, c'est très beau. Comment on rentre là-dedans? Où est la porte? Il n'y a pas de porte.
Ah, une caisse. Non, grimper. Y a pas de porte ici ou... C'est par là, voilà. C'est vrai que j'avais m'étais pas amusé à faire tout ça dans le... Dans ma première partie. Oh bon bah je pense que je vais être bien rempli de munitions et de grenades. Alors les grenades, comment dire que je ne m'en sers pas parce que j'ai pas l'habitude de me servir de grenades. Dans ces jeux-là, je ne me sers jamais de grenades. Je me dis que c'est quand même un jeu où on doit s'infiltrer. A priori, je m'infiltre beaucoup plus dans ce jeu-là que dans Ghost Warrior, Sniper Ghost Warrior. Faut se trouver un petit trou dans la clôture, ce serait sympa. Voilà, faire courir un peu. Alors, on n'a pas de barre d'endurance qui apparaît, elle apparaît seulement quand ça diminue vraiment beaucoup. Donc là, on court, voilà. Et, elle vient d'apparaître, donc on va se calmer un peu. Et on va donc se diriger. Vous voyez, ça devient sombre, c'est quand on est caché. Hop, 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 on les marque. A priori, ils sont trois là. On va aller chercher le coffre. On va voir si on n'aurait pas une nouvelle arme quand même. Qu'est-ce qu'on a récupéré? Un pare-balles, ok. Alors. Qu'est-ce qu'il a celui-ci? Bon bah il est plus costaud, a priori. Ouais. Bon bah, on va le mettre. Voilà, niveau d'équipement 4. Ouais, bon bah il est plus costaud. Hein. Par contre, ça n'a rien changé au niveau du skin. Ah si, ah non, c'est le... D'accord. C'est le sac à dos. Alors, vous pouvez personnaliser votre personnage. Alors là, au début, on vous demande de lui mettre le visage, les yeux, donc vert, tout ça, bref. Après, on peut personnaliser notre personnage avec des cicatrices de visage. Ah, Fury n'en a pas, donc on va lui mettre une belle petite cicatrice, je sais pas, moi. Voilà, mettons. Des petites peintures de guerre. Non, évidemment. Voilà, ça. Des tatouages, on peut la tatouer. Ouais. Sur l'autre bras, on va mettre l'autre. Hein. Bon, pourquoi pas... Ah non, d'accord, c'est des différents tatouages qu'on peut mettre. Oh, mais tu vois. Voilà. On peut aussi mettre des skins. Par contre, cela ne change rien au casque qu'on peut avoir. Donc, on va y mettre un béret, mais pas... comment ? Pas de cette couleur-là. On va... Voilà, comme ça. Mettre des skins pour que ça fasse plus joli, mais ça ne change rien à la qualité du matos qu'on a. Non, les gants ils sont tous bloqués évidemment puisque j'ai pas récupéré. Bon alors on va faire n'importe quoi, on va mettre bon c'est très bien ce qu'elle porte. Allez hop, on y retourne. Donc nos petits copains, ils sont sur le côté là, on va aller se les faire évidemment. Aucune chance qu'il y ait des survivants. Non mais t'as vu les flammes? On n'est jamais trop prudent, tout peut arriver, même un miracle. Voilà, ça c'est fait. Ok, et on récupère un casque. Donc, hop, ça nous fait de l'armure.
Mais comme j'ai mis un skin, on ne voit pas le changement et je trouve ça mieux parce que franchement, ça sur la tête, ça lui va pas du tout. Hop. Donc on se dirige toujours vers notre petit point jaune. Allez au tapis, hop, on y va. La force est mise. Survivant. Il y a forcément des survivants. Bah ben ouais, peut-être, mais. Ah, petite cinématique. Petit chargement aussi. Petit écran noir pour vous. Alors, mes jeux sont installés sur un disque dur, on va dire, normal. Stormcloud, unité, ici Weaver. Répondez à vous. Ici Weaver, répondez à vous. Tu captes? Que dalle. Walker. Pardon, Weaver. Donc... Qu'est-ce que tu fous, merde? Donc Walker a tué nos amis. Et à mon avis, eux, ils sont un peu balèzes pour moi. Donc on va se diriger vers le petit point jaune. Hein. J'aurais un sniper, j'aurais peut-être tenté. Mais là, non. Donc dans ce jeu là, il faut être pressé sans l'être. Donc là vous voyez, il y a une petite... On doit se taper la mission de nettoyage. Non, parce que si quelqu'un a survécu à ces crashs, il doit être en train de crever dans un coin. Ce serait peut-être bien d'être sûr à 100%, au lieu de sortir des phrases creuses comme ça, tu crois pas? Ah, j'ai alerté les autres. Mon silencieux n'est pas si silencieux que ça. Hein. Voilà, je viens de prendre un point de compétence. On verra les compétences plus tard. Qu'est-ce que... On a des ennemis. Ah. J'en ai plusieurs, je n'avais pas vu. Attention! Il y en a toujours. Il est là. J'essaie de rejoindre un abri. Allez, faut que je fasse attention, ça. Ces ghosts sont dangereux. Comme ça, moi, celui-là. Hop. On va récupérer les sous. Parce que ça va nous servir dans les boutiques, ça. Ce qu'on a récupéré. Ah. On va voir si elle est plus puissante, cette arme-là. Tac, on récupère. Voilà, on récupère. J'ai tout récupéré. Bon, les autres là-bas, ils n'ont pas bougé, encore heureux. On va toujours se diriger vers le petit point jaune, mais auparavant, hop, muni des armes. On va la comparer. Ouais, effectivement, elle est meilleure. Elle a bien sûr un silencieux, ok. Donc pour l'instant, on peut pas trop les modifier. J'ai 320 balles pour cette arme-là. Alors ce que je vais faire pour l'instant, je vais quand même mettre l'autre en seconde arme. Donc si je prends ma seconde arme, j'ai 290 balles. Ah ouais, donc c'est pas les mêmes munitions. J'ai pas fait gaffe. Là, c'est du 5,56. Et là, c'est du... Ah non, 5,56. Pourquoi j'ai plus de munitions? Bon, allez, hein, on va pas chercher à comprendre. On est là pour avancer dans la mission.
Alors allons-y. Alors l'esquive, c'est deux fois pour quand vous couchez. J'ai pas remappé. J'ai laissé les. Donc c'est deux fois contrôle. Alors avant d'aller sur le point jaune, je vais aller me faire le petit coffre. Voilà, j'espère que je vais voir ce que je pense dedans. Voilà. Donc le début du jeu est pareil que ma première partie. Enfin que mes deux premières parties. Donc je vais remplacer tout de suite ça par le sniper. Ensuite ça, bah, je vais pas en faire de la conserve parce que j'en ai tellement dans mon... Hop, je le détruis tout de suite. Et là, nous avons donc un beau petit sniper. En deux. Et l'avantage de ce sniper, vous allez voir. Hop. Donc c'est un sniper, évidemment. Tac, 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 je marque mes ennemis. Mais vous avez B. Vous passez en point. Et X... Ah, il fait balle par balle celui-là, d'accord, c'est un lancé, d'accord, c'est pas celui que je pensais. Ok, je dois avoir la radio par là. Je vais repasser sur la mitraillette. Hop, petite cinématique encore, bon, il va y avoir beaucoup de cinématiques au démarrage. J'espère que la vidéo va pas être trop longue. Ici Ghost Leader, est-ce que quelqu'un me reçoit? 5 sur 5, Ghost Leader. Qui c'est? Une alliée. J'ai pris la radio sur un ghost. Il est encore en vie, ce ghost? Ghost Leader, on peut chasser le lapin blanc. Ou courir avec la reine rouge. Fais-moi un citrep. Ça peut attendre. On est en train de soigner votre collègue. Suivez la piste derrière les anciennes ruines. Votre destination se trouve dans les montagnes, entre deux cascades. Reçu. Ghost Leader terminé. Ok. Entre deux cascades, ça devrait pas être compliqué à trouver, hein. Bon, et ben on va se mettre en mode snipe. Et puis on va aller les déglinguer eux. Ou se faire déglinguer bien évidemment. Bon, vous avez vu, hein, j'ai pris pas mal de cartouches. Hein, je suis pas mort. C'est le mode normal. Le mode facile, j'aurais pu rester debout et carrément appuyer sur F pour éliminer un ennemi. Ouais. Je vais plutôt... Voilà. Donc avec le bruit du train, on va dire qu'ils m'ont pas entendu. S'il y en avait d'autres. Donc c'est pas le sniper le plus puissant, c'est pas le plus pratique. Alors là, hop, il y a rien. Eh ben non. Hop, on va se remettre debout. Donc on va récupérer le véhicule avec la tourelle, ouais. Ouais, avec la tourelle. Ouais. Donc, vous avez les motos, ouais, vous avez des motos, vous avez des voitures normales, vous avez des voitures avec tourelles. Donc si vous montez à l'arrière, oh, vous montez dans le coffre. Allez, bouge-toi. Ou prendre le contrôle. Prendre le contrôle, vous allez conduire, monter dans le coffre. Après, vous pouvez changer de place pour prendre la tourelle. Nous allons mettre la carte. Il faut qu'on aille là. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on aille là. Là et là. Soit je passe à travers là. Ok. Ben moi je dis que on va prendre la route comme ça. Et on va monter par le chemin. Ça, je vais vous montrer la voiture. Alors j'ai pas de manette. Mais je pense qu'une manette est quand même beaucoup plus pratique pour conduire ces engins. Hop, le petit chemin qui va bien. C'était pas celui-ci. Aïe. C'était celui-là. Donc, on va s'arrêter avant. Parce que visiblement, il y a du monde. On va se mettre accroupi. On va aller les déglinguer gentiment.
que j'ai pas donné suite, sinon moi aussi je serai en morceaux dans les marais. Ouais, mais ça c'est parce que tu dis ça, c'est parce que t'es en colère. C'est n'importe quoi. Il y a des bouts de cadavres partout. J'ai vu un bras tout seul. Un bras. Survivant mon cul, ouais. Est-ce que... Voilà. Alors j'avais pas réglé celui-ci. Hop, voilà. Hop. Et là nous avons un petit coffre. Et qu'est-ce qui nous donne? De l'argent. On va prendre les munitions. Alors nous avons aussi. Alors là. Nous avons aussi des plantes à récupérer, on peut concocter des bousses et tout ça. Mais le seul problème de ça, moi, je ne m'en sers jamais. Donc, maintenant, il faut aller ici. Ouais, donc, on avait rendez-vous au Robin, maintenant, il faut aller ici. Ok, ben, on va prendre notre voiture et puis on va suivre le chemin. Ok. Donc, il faut toujours aller tout droit. Il faut suivre la route tout droit. Ok. Avant, je vais quand même aller faire un tour par là. Il y a l'air d'avoir des bâtiments. Alors, tu passes? Non, il veut pas passer. Ah, quand même. Non, d'accord, c'était des pierres, c'était pas des bâtiments. Bon, bah, il y a des plantes, je vais les récupérer. Je sais pas à quoi ça peut servir, mais bon, hop, c'est pas grave. Alors, pour remettre la minimap, il faudra que je regarde si je peux régler la minimap, savoir si je peux avoir la minimap sans avoir ce que j'ai sur le côté là, gauche. Alors, ce qu'on a sur le côté gauche, c'est l'objectif. Alors, je le trouve pas super réactif pour monter les. Pour escalader tout ça, des fois il se plante dedans, le personnage. J'aime pas trop. Donc il n'y a rien de spécial. Bon bah, on va reprendre celle-ci, on va pas prendre la mienne, hein. C'est pas grave, on va prendre l'autre. Hein. De toute façon j'avais déjà piqué, je leur avais déjà piqué donc. Donc on a dit tout droit à suivre la route. C'est ça, hein. Hop, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, on passe le pont, tout droit, on repasse un autre pont, ok, tout droit. Alors, il y a plein de points d'interrogation sur la route à côté là, on va certainement s'arrêter les faire, ouais, parce qu'il y a, des choses. Voilà, on cache notre voiture ici, tac, hop. C'est important d'aller vérifier tout ça. Parce que voilà, donc ça c'est, c'est des thunes, donc voilà, ça c'est fait. Donc il y avait un lieu remarquable, et là il y a quelque chose. Il y a un point d'interrogation. On va aller voir ce qu'il y a. Je pense que c'est encore au-dessus. Non. D'accord, hop, on va descendre. Ça va être... Là, non, une petite grotte, voilà. Une petite grotte sympathique. Donc on va y trouver des choses. Hop. Alors voilà, on a localisé un schéma d'armes dans la carte. C'est pour ça que c'est important de faire ça. Ouais, il y a des munitions, ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Rien. Allez, regardez, là j'appuie sur pour qu'il grimpe, mais
C'est pas super super réactif quoi. Et pareil là, faut être soit à droite, soit à gauche, mais jamais au sens inverse. Ah, pas mal ça. On voit les stats par rapport à ce que j'ai moi. Ouais, c'est pas mal, on va le mettre. Ok. Regardez si on peut modifier quelque chose, on va déjà regarder. Donc, au niveau du viseur, est-ce qu'on a... on a celui-ci que je préfère, moi, personnellement. Ok, on revient en arrière. Merci. Donc le silencieux, ça c'est ok. Le chargeur, on en a pas de débloqué. Ici, il nous faut une pièce d'arme, on en a pas. Ici, il nous faut une pièce d'arme d'améliorer. Tout ça, on peut les récupérer. Ah ça, il m'en faudrait deux pour pouvoir mettre ça là, pareil. Là, il m'en faudrait quatre. Là, il m'en faudrait deux. Donc je ne peux pas améliorer cette arme là avec, avec ça. Bon. On va la peindre. La totalité. Voilà. Ça, on se fait moins voir. Hein. Voilà. Ok. Donc le viseur, pareil. B, hop. Et celui-ci, il fait quoi en cartouche? Voilà. 3 balles ou rafale. On va se mettre en 3 balles pour économiser un peu. Donc là, j'ai tout récupéré, visiblement. C'est par là, j'avais pas vu. Hop, on remonte. On va aller quand même jusqu'à retrouver notre ami. Allez, prends le contrôle. Non, je crois qu'il y avait des ennemis là. Allez. J'ai vu qu'il y avait un... Ah bah, voyez, grimper, j'ai voulu aller appuyer, mais ça ne m'est pas grimper. Ok. Hop. Oh, j'en connais un qui va faire le saut. Donc on a un autre là-bas qui va avoir le même sort. Éloigne-toi, toi. Mince. Donc là-bas, on a la cache. Ou c'est du cache, justement. Là, s'il n'y a personne d'autre avec la lunette. On a un autre coffre ici. Bon, visiblement, on n'a plus qu'un gars. Donc on va passer en arme de... En arme... Par contre, ils m'ont rien looté. C'est pas gentil. Hop, on va courir un peu. On va se mettre accroupi. Voyez, trois petites cartouches. Si vous lui mettez en pleine tête, je pense que ça lui fait pas beaucoup de bien. Hop, on va chercher le coffre. Alors, c'est des vrais labyrinthes. Pour trouver les coffres, des fois, vous pensez que c'est là, mais c'est derrière la cloison, un truc comme ça. Bon, là, visiblement, il est là, il est. Voilà, grimper. Il veut pas. Il faut se mettre devant. Ça, je trouve mal fait. Alors, on récupère. Ah. ASR, est-ce que c'est mieux que ce que j'ai? Non. Donc on démantèle pour faire des pièces justement. Ouais, on le démantèle aussi celui-là, hein, puisque celui que j'ai. Pareil pour le pistolet. Est-ce qu'il est meilleur? Il a une meilleure portée.
Mais le reste, précision, tout ça, mobilité, hop, allez, on démonte. Et tout ça, ça me fait des pièces. Vous voyez, maintenant, je peux l'améliorer. Vous voyez, pièce métallique. Donc, je peux l'améliorer en maniabilité. Hop, on l'améliore. On peut l'améliorer encore. Et puis encore, allons-y, voilà. Donc là, vous voyez, on l'a amélioré. On arrive à peu près sur une demi-heure de vidéo, là, je crois. Mais on va quand même continuer, hein. Tant pis, elle sera plus longue. On va passer par un des anciens villages l'autre jour. Ça m'a choqué de voir tout ce que Sentinelle veut démolir. Il devrait avoir honte. Les anciens étaient très soucieux de l'environnement. Ils n'ont pas peur de moi, très bien, hop. Mais je suis gentil, moi, faut pas croire, hein. Je tue pas les civils. Enfin, j'essaye. Il y a des fois, dans la panique, bah... Hop, allez, un petit peu de cash. Impeccable. On remonte sur notre voiture. Alors évidemment, elle va pas vouloir grimper ici, ici. Le pouce-pouce, là, on va pas le prendre. On va plutôt prendre celui de la tourelle. On va aller quand même jusque Holt, notre collègue, hein. Mais on va quand même s'arrêter à faire quelques petites missions comme ça sur la route. Voilà, hop, elle va pouvoir se reposer dans la voiture. Alors, ils sont combien? Ils sont beaucoup. Ils sont 4. On va essayer de les sniper. Hein. Ils sont forcément morts. Pas moyen de survivre à un crash dans ce genre d'endroit. Ah, eh ben, ça s'est pas si mal passé que ça. Hop, on recharge. Il y a une voiture là-bas. On va la prendre. Place des autres. Hop, avant on fait le plein. On récupère ce qu'ils ont sur eux. Hop, on rechange d'armes. Alors là, voilà. Ici, vous pouvez monter. Vous pouvez prendre la place de l'artilleur. Je vais vous montrer quand même pour une fois. Eh ben non. Allez monter, bon, je vous montrerai plus tard. Allez, on les écrase, c'est pas grave. Moins de bruit celle-là, tiens. Elle va plus vite. Il y a un coffre ici, mais... Arrête-toi. Si je descends là, je remonte pas. Ah ouais, si je descends là, je remonte pas et ça va nous prendre trop de temps alors. Ouais. Tant pis, hop. Alors, hier, on peut pas passer de la place avant à la place arrière, je crois pas. Freinage, regarder derrière, lumière. Changer de place, c'est pour aller sur la face passager. Bon, à partir de maintenant, il n'y a plus personne. On arrive à la base. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Voilà. Voilà, je voulais me garer, mais... Ah bah, quand elle est bloquée, elle sort pas la fenêtre. Bon, oui, tiens, pourquoi pas. Pourquoi pas. J'ai une petite fleur bleue, là. Hop. Donc entre deux cascades, ouais bah je les ai pas vus les cascades mais c'est pas grave. Ok, on va rentrer. Et on va se taper de la cinématique. Ok, donc on rentre dans le
on va dire, dans la base alliée, nos futurs alliés, ou pas, on sait pas, on verra bien. Plus un geste. Ah, petit chargement, petit freeze. J'ai reçu une invite. Un autre soldat. Et vous êtes qui? Vous pouvez toujours faire demi-tour et redescendre la montagne. On est un peu tendu, ok? Évitez d'agiter votre arme. Pas de tir à Erewhon. C'est quoi, Erewhon? La grotte. On l'appelle comme ça. Entrez. Alors, vous avez remarqué, elle a retiré son béret. Hein. On se demande pourquoi. Allez, là, on peut pas courir très vite. Alors, je comprends pas pourquoi. Ça. C'est un peu chiant. Donc là, c'est un peu comme dans The Division, on retrouve... C'est quoi cet endroit? Bah, c'est joli, ça bouge pas. J'ai... Hop, on descend un peu par là. Voilà. Erewhon. Belle grotte, hein, je vous montre. Donc là-bas, c'est pour vous spécifier la sortie. Parce que si vous vous perdez... Donc là, c'est d'autres joueurs. Vous voyez, le petit point jaune avec les petits plus, c'est pour prendre des missions. Mais là, on se doit d'aller parler à ce monsieur. Voilà. Donc, petit chargement, petit écran noir pour vous. Hé les gars, comment ça va? On est les seuls survivants de l'hélico. Pas de radio, pas de drone. À nous deux, on n'a que 2 fusils et 8 magasins. Les gens du coin ont de l'eau. Et des provisions. Franchement, c'est dingue ici. Tu trouves pas? Je suis sur le cul. Ouais. Ils sont accueillants, plus ou moins. Même s'ils nous ont à l'œil, forcément. Vous savez ce qui nous a touchés? J'en sais rien. Mais on a clairement des ennemis dans le secteur. J'ai croisé des troupes dans le coin qui se surnommaient les Wolves. Tu sais à qui on a affaire? À moi, pour commencer. C'est toi qui commandes ici? T'es qui, toi? Indicatif nomade. Je suis l'officier supérieur de cette opération. Par opération, tu veux dire ce ratage intégral, j'imagine. Alors, Matt, tout se passe bien? Je cherche à comprendre pourquoi une brochette de soldats nous tombe tout cuit du ciel, chérie. Quelqu'un a coulé un cargo de la Navy au large d'ici. Et puis tout l'archipel d'Oroa a cessé d'émettre. On nous a envoyé tirer tout ça au clair. Et tout d'un coup, nos hélicos se sont fait descendre. J'ai perdu près de la moitié de mes hommes. Autant qu'on sache, il y a eu une sorte de coup d'état militaire. Sentinelle, la société militaire, ils ont placé cet endroit sous la loi martiale. Et ils n'y sont pas allés de main morte pour la faire appliquer. Skelltech produit toujours du matos high-tech sans brancher. Sauf que maintenant, c'est surtout des armes. Ce n'est pas ce que Jeskel et son utopie libertaire nous avaient promis. Où je peux trouver Jeskel? Ah, le chef de Skelltech en personne. On ne l'a jamais vu, mais... ces drones espionnent ses îles à sa place. Tu penses qu'il est mêlé à ça? Oui, mais pourquoi? Très bien. Je rajoute ça à ma longue liste de questions en suspens. Où sont nos blessés? Je peux les voir? Oui. Un de vos gars a besoin de repos, mais il n'arrête pas de gueuler. Calmez-le, ok? Ensuite, revenez me voir. Je vous ferai une visite guidée. Alors j'ai un compensateur. Ça va, il était bien armé lui. Hein. Ah, j'ai trouvé un schéma, ok.
Bah, je pense qu'on va peut-être s'en arrêter là pour cette vidéo, parce qu'elle a été assez longue. On ira voir notre petit collègue après, et puis on continuera l'émission. Hein, on ira tuer des méchants. Allez, merci de m'avoir suivi. À la prochaine fois. Ciao, bye bye.